Nous aujourd'hui dans la Cour suprême, ici dans la rue Edith Cavell, le cas qui concerne citoyenneté et nouvelle loi qui permet au premier ministre la citoyenneté. Alors, je vous crois dans le cas qui m'a été là. Mais en coupé portance avec Alain Vini, Orban Abidavid. Et ce qui est arrivé, c'est dernière fois de nous côté, un avocat a avoué qu'il soumettait une demande pour détail au des papiers qui, côté gouvernement, et le premier ministre et attorney general, fin, soumettre dans un pli avec ça. Et là, nous, une demande particulière, c'est qu'elle nous avait qu'il nous fait faire une requête, c'est pour sa certificat d'urgence, en lequel la loi fin traverse le Parlement bien vite, qu'ils ont présenté. Un détail qui nous fait envie de toucher pour sa carte constitutionnelle. Mais ils ont dit dans cette réponse qu'ils nous soumettent dimanche, là-dedans, ils ont dit dans ce papier pour produire sa certificat d'urgence pour le Parlement parce qu'il est irrelevant. Alors, ils ont dit qu'il a facilement présenté. Alors, il y a un petit lit, je ne sais pas qui fait un adopté sa stade-là. Mais il est important tout le temps pour sa cas-là, pour vraiment mettre au record, pour appréciation. En tant que membre de la présence, tout un camarade qui est venu dans la cour chaque fois, parce qu'il y a une façon de populariser les faits qui est dans sa cas, qui affectent littéralement tout le monde dans le pays. Et en même temps aussi, pour rappeler tout le monde qui nous dit avocat, ça veut dire Antoine Demain. Avec Jean-Claude Bibi et que nous avons Aïcha Djiwa, tous les trois, pour faire ce travail-là, pro bono, ça veut dire, comme un Jésus de corps. Alors, à l'aller là, prochaine fois, nous coup dans la cour, il tombe le 11 avril, ça nous donne le mardi.